Alléluia. Je vais prêcher sur ce sujet. Les dangers de ne pas respecter une alliance de sang. Vous comprenez ça? The danger of not respecting a blood covenant. Les dangers de ne pas respecter une alliance de sang. Alléluia. Comment est-ce que vous avez une alliance? Au seul monde qui savent ça alliancer. Merci Seigneur. Alléluia. Nous avons béni notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, demain. Ça veut dire que l'autre dimanche, moi j'ai l'autre dimanche, c'est pour ça que nous demain. Dimanche prochain. Et puis ensuite, nous voulons prêcher à son alliance. Parce que de l'église, en fait, nous commandons, est-ce que nous voulons savoir son alliance? Et beaucoup de gens, en fait, nous prenons des engagements à la légère. Nous faisons des alliances et puis après nous avons oublié ça nous dit, nous fait. Et nous avons cru que nous n'ayons un jeune peuple qui a venu et qui a besoin de savoir comment pour tchembekor, comment pour vivre, qui sont alliances, l'importance et danger. Qui ni l'homme ne pas respecter en alliance de sang. La bénédiction qui a suivi le respecter alliance, elle est importante. Les provisions qui étaient faites et comment bon Dieu a défendu l'un et l'autre, c'est important. Nous avons touché des points importants pendant tous ces jours. Dans nous avons que bon Dieu qui bénit nous. Moi, je veux dire bonjour et que grâce bon Dieu à chacun de nous quand nous écoutons la parole. Guadeloupe, voyez bonjour à vous. Et nous avons béni notre Seigneur Jésus-Christ. Côté Ish bon Dieu, pendant des semaines, nous avons encouragé, fortifié, formé. Alléluia. Et là, j'en ai ça qui j'ai lancé dans la prédication pour qu'un lancé dans les tâches. Alléluia. Donc, béni bon Dieu pour la sœur Sophie qui commence. Alléluia. Elle prêche aujourd'hui. Donc, nous avons béni bon Dieu pour grâce et d'autres. Et nous avons cru que le travail a commencé. Qu'on nous dit, nous pas là pour nous assises, faire, nous là pour lever des travails. Amen. Voilà. Ça, c'est qualité, moi. Moi-même, mon travail côté. Moi, hier, moi, pas quoi que bon Dieu appelé moun pour assise. Mais bon Dieu appelé nous pour évoquer baya. Amen, alléluia. Donc, si vous connaissez moi bien, moun qui pas voulait travailler, c'est moun. Moun qui pas qu'à travailler, c'est moun qui pas qu'à travailler. Nous pas appelé pour nous assise. Dieu nous a appelé pour faire quelque chose. Voilà. Prenez votre Bible. Deutéronome 22. Deutéronome 22. Wow. Nous avons touché un sujet très important. Le danger de ne pas respecter une alliance de sang. Nous allons commencer avec
Alliance par mariage. L'importance de sceller ton mariage par le sang. Le premier sous-titre. Et nous avons d'autres, et nous avons d'autres, et nous avons d'autres. Nous avons remarqué, nous avons déviation. Les jeunes moun pas ka wey important pour respecter koyo. Moi dit les jeunes moun pas ka wey important de respecter koyo et respecter yon alot. Et ça ka mette en malédiction ale nous pour les générations futures et pour la vie nous après. Nous voulons garder qui ça, bon Dieu, parole, bon Dieu, t'es qu'a dit. Et puis, nous allons côté. Nous allons commencer ici, mais nous allons côté. Nous allons arriver en côté. Amen, alléluia! Deuteronomy 22, 13. If any man take a wife and go in unto her and hate her. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne. And give occasions of speech against her and bring up an evil name upon her and say, I took this woman. And when I came unto her, I found her not a maid. S'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant, j'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. Then shall the father of the damsel and her mother take and bring forth the token of the damsel's virginity unto the elders of the city in the gate. Alors le père de la et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. And the damsel's father shall say unto the elders, I give my daughter unto this man to wife, and he hateth her. Le père de la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné ma fille pour femme à cet homme et il l'a prise en aversion. And lo, he have given occasion of speech against her, saying, I found not thy daughter a maid, and yet these are the token of my daughter's virginity. And they shall spread a cloth before the elders of the city. Il lui impute des choses criminelles en disant, je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or, voici les signes de la virginité de ma fille. Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. And the elders of the city shall take that man and chastise him. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. And they shall amend him an 100 shekels of silver and give them unto the father of the damsel, because he have brought up an evil name upon a virgin of Israel, and she shall be his wife. He may not put her away all his days. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 sicles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune fille. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Tant qu'il vivra. Encore.
tant qu'il vivra. Yes. But if this thing be true, and the token of virginity be not found, for be not found, oui, for the virgin. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, then they shall bring out the damsel to the door of her father's house, and the men of her city shall stone her with stone that she die, because she have woefully in Israel to play the whore in her father's house. So shall thou put evil away from among you. On fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. If tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Yes. If a man be found lying with a woman married to an husband, then they shall both of them die, both the man that lie with the woman and the woman. So shall thou put away evil from Israel. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Amen. Merci pour Jésus. Je vais changer de chant là. Merci pour Jésus. Pour moi, pour moi. Merci pour Jésus. Pour ressusciter. Yes. Merci pour Jésus. Ou sauvez-moi. Merci pour Jésus. Ou délivrer. Alléluia. Et l'on continue, lis les restants. Chapitre là, lis caillou les restants. Ou quand il y a un danger et danger. Bien-aimé, je dis, nous qu'à vivre dis donc, sur société. Qui pas qu'à respecter rien du tout. En société qui qu'a levé, avec yoka apprend nous, depuis ou entrer, moi y marqué, depuis on ti mamay, entrer en college, la vie change. Ma sav qui l'esprit qui est dans ce collège là. Tout un Yeshu première, de là, yon ka y bay traka, de là, yon sa ka commence là. Mais pas aussi dangereux. Mais depuis yon entré collège, yon ja femme. Yon brise un homme. Yon brise mari. Yon brise couché. Yon brise sexe. Quand yon ka gratte yon. Je veux prêcher un message qui n'a pas qu'à jeter. Je ne pas savoir si nous n'avons pas fait un bagage pour protéger la jeunesse. Nous avons marqué le monde qui a gâté tout. La société n'a pas qu'à faire un yé, n'a pas qu'à mettre aucune éducation pour montrer une jeune fille. Et bon, jeune garçon, de tchembe koyo. Mais en contraire, yo kay libéré toutes sortes de bagay qui kay promettre ces jeunes noirs gâte koyo et gâche koyo. Et c'est pourquoi nous ni en société à la dérive, en société non avec femme, avec est difficile pour ça parler, dire aujourd'hui,
Est-ce que jeune fille ou toujours vierge? Est-ce que jeune garçon là? Ils sont un homme. Demain, si Dieu veut, quel choix est-ce qu'il fait entre un masculin et un féminin? Dans la société qui a fait toutes sortes de bagailles pour gâter ses chinois, et qui a couillé sa sex education. Éducation sexuelle. Zami, moi découvert de toi bagaille dans la parole mon Dieu et me dit si aujourd'hui Jésus-Christ te reste si vert par rapport à l'humanité comme ça moi pas dit nous comment qui dit qu'il reste vive avant aujourd'hui. Nous comment qui décaillons été vivants aujourd'hui. Bien sûr, nous pas qu'à mort, mais là nous garder bien, on paye la conséquence, les conséquences. On paye les conséquences. Pourquoi? Parce que nous avons dérespecté en loi divine, en bagaille, bon Dieu établi. Avec les hommes qui regardent banal. Il y a plusieurs chemins quand les autres disent pour aller au ciel. Mais il y a en fait une seule vérité. Amen. Les hommes, nous qui regardons une alliance de sang, le danger de ne pas respecter une alliance de sang. Nous qui prenons un exemple. À sous une alliance par mariage. Jeudi jour, nous remarquons que les hommes y ont un seul, comment dirais-je, raison pour marier. Moi, je les marie parce que moi pas les brûler. Puis par des chrétiens, parle comme ça. Nous te connaître, en fait, nous connaître. Il y a quatre, en fait. Oui, c'est un biblique du mariage. Tout le monde qui m'a marié, normalement, pour connaître sa patrie. Jésus-Christ, Dieu, parle de Dieu, la création, il a créé l'homme. Il veut l'homme, t'es seul, avec son aide. Il dit, je ferai une aide semblable à lui. Là, nous jouons Dieu. Pour résoudre les problèmes de la solitude, et deuxième, pour être une aide. Troisième, 1 Corinthiens 7, nous avons pour éviter les problèmes de la fornication. Pour éviter fornication. Fourni chaque homme ni Mario, chaque homme ni madame, yo, pardon, chaque homme ni madame, yo, et chaque madame ni Mario. Nous avons trouvé d'autres là, 1 Corinthiens, Genèse 1. Là, mon Dieu te dit comme ça. Il fait un homme, il bénit, et puis il dit, allez, multiplier et remplir la terre pour la procréation. Procréation. Puis il multiplier, puis il fait timoun. Quatre raisons. Donc, à maillé, pour aussi, pour ça faire petite, pour ça faire moun, pour ça faire ish, et puis remplir la terre. Lorsque bon Dieu garde, il pas jamais dit, il faut remplir la terre. Donc, lorsque vous mariez et que vous faites, ou qu'a aidé bon Dieu accompli, ça a été dit pour remplir la terre là. Voilà. Donc, sexe en raison biblique, pas logique. Vous pas attendre ça. Vous dites, mais pourquoi vous parlez de ça? Il y a des enfants? Eh bien sûr, parce que c'est, les autres, en fait, parlent de ça devant nos enfants et nous détruisent nos enfants à l'école. Mm-hmm. Et moi, je vais faire les contraires, en fait. Je vais mettre quelque chose en eux. Amen? Amen. Et moi, je vais mettre crainte bon Dieu dans le chair, yo. Et c'est pourquoi qu'il a parlé.
Alléluia. Ça déca étonné moi certaines questions les m'ont posé que Lindra et dit moi oui papa mais on a appris ça à l'école. C'est normal. Vous comprenez ça bien parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend cette maman là. Et pendant du temps on a peur de parler devant nos enfants, éduquer nos enfants, parle à nos enfants, arrêter raconter les enfants nous des baobao pour dire c'est avion qui vini avec des enfants qui a déposé sous le lit. Tout l'enfant savent, les parents sont morts, les parents morts en fait. Avion pas qu'à déposer pièce timoun. C'est Timoun qui a sorti un vote, maman. Yo. Et qui savent côté qui a sorti, qui m'a dit qu'il a sorti, qui m'a dit qu'il a fait. C'est normal. Amen. C'est pas longtemps où tu as couillé en Timoun. Ou tu peux pas couillé en Timoun. Voilà. Donc pourquoi je ne peux pas parler de ça? Quand il y a détruit Timoun noir. Eh bien, les amis. Il faut nous comprendre société, hein, pas qu'à encourager ces petits mamans et nous, tiens, mais quand ils sont vierges, avec des mains pour qu'ils joignent en bon la vie. En contre, toute société qui travaille par agent Satan, qui a détruit les petits mamans, parce qu'ils savent, chaque maman, bon Dieu peut mettre chaque maman créer un enfant avec une protection. Quelque chose qui va sceller leur mariage demain. Ça qu'on appelle la virginité. Une fille vierge qui n'a pas connu d'homme dans sa vie. Et c'est pourquoi je voulais toute jeune m'a écouté. Si on a écouté, ben on t'a parlé la main, dit suive. Écoute le pasteur. C'est pour toi. Et notez. Voilà. Il y a un petit manet top. Oui, c'est yoga fait comme si dit yo choqué. Là yo tant ça. Je suis choqué. Ou pas pièce choqué, ça pas vrai. Choqué qui ça? Et là yo ga parler. Tu as mouré. Ou choqué ou amoué? Je suis amoué, il est amoué. Voilà. Pourquoi tu es amoué? Pas qu'à mourir pour garder un monde. Donc, la virginité, en fait, d'une fille, c'est important pour la race israélite. Si vous regardez bien, dans le verset 13, il dit cadeau si un homme qui a pris une femme. Et fait quoi? Il allait vers elle. Et ensuite, éprouve de l'aversion pour sa personne. Voilà. Là où aller vers lui, il allait aller vers pour faire la passer plus belle. Couche avec lui. Pas qu'après un madame pour garder un zier. Et bien, c'est le même truc que l'école nous a appris. Il faut coucher avec une fille si tu es. Si tu l'aimes, il faut se laisser aller, il faut se défouler. Mary, si tu es amoureux, garde pour un garçon. Et puis voilà. La Bible parle aussi. Donc si y a la Bible, moi ça parle de. Amen. Donc ma pas pierre choqué ou pas pierre choqué, ça pas vrai. Regardez ce que la Bible nous dit. Un garçon, il allait vers une fille, il mariait. Mais tu as là bien changé bien. En tant longtemps, ou tu es marié. Et ou tu es couché. Ou pas tu es couché et puis aller marié. Donc, le lit conjugal n'est pas fait pour se souiller. Amen. Il t'est fait un lit pour une jeune fille qui n'est pas mariée, fait pour uniquement dormir seule. Prendre ton dodo et ronfler.
Mais nous qui vivons dans une société, comme tu es en bacan qui a coupé, je trouve que c'est honte. Pour une jeune fille qui a quitté un jeune garçon traîné en bas de Traskan, à terre, nous à terre, nous avons coupé, nous avons passé son travail, nous avons en bacan. Imaginez ça. Où est le valeur? Valeur d'une femme sans Traskan, à terre. Est-ce que nous comprenons ça bien? Pas faire quoi de choquer toujours? Ou pas faire choquer, mais d'où? Pas faire quoi de choquer ou pas choquer, ça va oui. Donc, le système fait tout bagay pour nous tuer ces finois, il n'y a pas de valeur. Est-ce que nous comprenons ça bien? Pour certaines filles, avant la virginité, pour être vierge, c'est un insulte. Comment tu n'es pas connaître des hommes? Mais comment tu ne connais pas ça? Mais au vieille ou mamie. Voilà. Donc les jeunes filles, elles ont grandi, elles ont levé. Avec pour eux, si elles vierge, elles n'ont pas rien quoi. Mais elles paraissent, c'est quelque chose très important pour sa vierge. Amen. Pas coucher avant le mariage. Alléluia. Amen, alléluia. Amen. Donc, il joue un homme, il aime, l'homme l'a marié, parce que l'homme t'a là, t'as ni respect. Et ensuite, il partit. Verset 14, donne ça. S'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant, j'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. Elle n'est pas trouvée vierge. Ha, mets-toi qu'à commencer actuellement. Ou marié fille, ou parti, parce que normalement, la fille devait pas connu des hommes avant le mariage. Nom marié, nom content, il va aller découvrir son champ. Eh bien oui, mais oui, Ecclésiaste parlait ça comme les champs. Il même parlait de ça. Voilà, alléluia. Eh bien oui, un champ à découvrir. Oui, à découvrir. Il allait partir vers le champ, pour accueillir quand comment on dit ça, qu'ils ont dit tout ça, pas Église, Songs of Solomon, les cantiques des cantiques, qui a parlé de son chant, et qui a parlé d'un pied pomme, qui n'est raisin, qui a parlé de tout ça, pour découvrir la belle du fruit. Parce qu'un homme marié, il est content. Mais un homme qui arrivait, le jour, ligne de miel, et monsieur Kawa, il n'y a pas de virginité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sang. Ça, nous voulons garder. J'en dis jour. Pourquoi société a ni tout ça problème? Verset 16, avant moi aller plus loin. Le père de la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné ma fille pour femme à cet homme et il l'a prise en aversion. Continue. Il lui impute des choses criminelles en disant, je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or, voici les signes de virginité de ma fille. Les signes de la virginité de ma fille. La signe de virginité, c'était quoi en fait? Et ils déploieront son vêtement. Voilà. Et puis, le jour que la fille de Kaimaye, eh bien, c'est le papa, fille et maman. Oui, qui est allé. Yo ka oué qui li a bien fait. Amen. Et yo mette un doigt pli blanc qu'on la neige en l'œil. Donc, ou pas ça, c'est vrai. Et puis, après s'y marier, ils entendent, en fait, qu'ils donnent le temps, fait une ligne de miel, les autres. Mais les relations sexuelles doivent être sous ces doigts blancs. En lit demain, là y'a fini. C'est maman et papa fille qui a allé et point doigt. Et garder si fille a été vierge. Parce que sous vierge, il n'y a pas de sang qui coule. Parce que un mariage là, c'est alliance. L'on fait une alliance en mariage. C'est la virginité, tout mariage, toute alliance, c'est scellé par le sang. Oh Jesus. Et c'est la fille à coucher avec Marie,
sang qui coulait a cassé l'alliance là yo te fait. Donc Marie, papa qui d'accord, ouais. 1100, ça veut dire que il bien marié, fimrienté vierge. Il ca prend ça, il ca garder ça, drata pas à laver pièce. Ça sera un doigt qui te fait pour ça. Amen. C'est témoin, témoignage là. Donc maman et papa connaissent ah fimrienté chebekoy. Si ce mariage, moi fier de lui. Ah, il levé de nous. Parmi toutes les filles, il partait en prostitué. Hello l'église. Amen. Voilà, il partait en prostitué. Vous voyez comment on a gardé en prostitué? Et bien souvent, on croyait qu'une prostituée, c'est quelqu'un qui vend son corps pour l'argent, etc. Mais pour l'instant, pour Israël, avoir le rapport sexuel sans mariage, c'est la prostitution. Hello l'église. Tu vois comment le diable nous couillonne pour nous dire, mais non, c'est pas rien. Une seule fois, fais-le. Ni vu, ni connu. Maman, pas ils savent. Papa, pas ils savent. Entrez normal et fais comme si rien n'était. Mais bon Dieu, ça, vous prostituez quoi? Vous voyez? Et l'autre, papa voit un biche comme un bouglet décidé, il pave les femmes là encore parce qu'il brisait un l'autre noun. Donc il dit, fille, il va battre vierge. Et qui ça qui peut échapper à présent? Qui ça qui te peut échapper, fille là? La preuve. La preuve que les parents avaient, c'est ça seulement. Voilà les doigts blancs. Voilà les preuves. Ils ont amené ça qui ça devant les anciens de la ville. Amen. Amen. C'est eux qui ont décidé. Elle dit, voilà les preuves. Fille, moi, t'es vierge, j'ai pas jamais été prostituée quoi. Ici. Vous voyez bien? Et qui a sali nous. Les amis. Si c'est pour bon Dieu garder comme ça au jour du jour, combien de jeunes filles nous qui joignent dans l'église nous vierge? Allô? Allô les jeunesses? Allô les enfants? Allô, 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 allô. Arrête, ma balle, je vais jouer. Non, 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 non. Non, 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 non. Vous ne jouez pas ici. Voilà. Je ne pas, non, non. L'ennemi a fait autre jouer. Hello, Maïli. Voilà. Avec des mamans, quand on a dit, je suis amoureux. Je suis amoureux. Voilà, écoute. Voilà. Yo, pour ça est mené. Intelligent pour prendre ça, garder sa série. Parce qu'ils savent, l'homme toujours coaché. Ou quand aime bien, ou aime, ou aime, ou aime, ou aime, ou aime, ou love, ou love, ou love, ou love. Tu es mon laline, tu es mon étoile, tu es mon tout, tu es un, ouais, il n'y a pas de comme toi, etc. Sans toi, je ne peux pas vivre. Tu es mon souffle. Comme si, si je n'ai pas dans ma vie, c'est comme si je ne vis pas. L'occasion de ça, ou comme maman. Les gars, oui! N'est-ce pas une belle parole? Il n'y a pas même dit Dieu s'est soufflé, il a dit c'est vous qui souffle. Donc l'autant, ça va dire il m'aime! Vous connaissez Clover? C'est un café, c'est Clover. Il va dire quoi, imaginez? Mais juste pour qu'il y en ait! Et là, il nous, il est assez pire parce qu'il brise en l'autre. Et quand on va respecter maman ou pas respecter papa ou, quand on est la maman qui a parlé au bas monde, mais c'est loulé ou pas ça, j'ai dit maman ou ça. Maman, on peut pas défendre nous, papa, on peut pas défendre nous. Et nous, quand vous regardez, demain, nous, quand ouais, il nous en parle, mais vie en exal. Imaginons.
Des nègres qui pas rien pour faire mon Dieu. Des nègres qui caillent tout comme ça. Régner mon Dieu parce que Dieu n'existe pas. Si qu'il vous raconte, c'est des gens bien. Oui. Et côté ces jeunes femmes noires, côté ces jeunes filles noires, et y'a joué un homme que y'a aimé, un frère qui bien marié pour. Mais est-ce que virginité qui t'est pour sceller mariage ou qui t'est pour nous mépriser? Et j'ai dit tous les jours, merci Seigneur pour madame moi. Alléluia. Moi t'es fier pour moi retourner à maman et papa il dit il était vierge. Il était vierge. Papi avec maman, t'es plus sauté, il était vierge parce qu'il était un petit copain. Mais yo comprendre qu'il était déjà couché. Mais il était intelligent. Chaque lèvre bougla te voulait sexe. Qu'a dit maman moi t'es apprendre moi pas coucher avant mariage. C'est ça qui tient béi. Où est ça? Ça il était tant en l'évangile. Qui fait il pasteur dit il faut pas coucher avec un jeune garçon avant le mariage, pas quitter maison. Donc chaque fois le garçon il veut marquer garçon qui a changé, garçon qui a commencé meilleur, c'est faux, il faut manière pour échapper. Mais aujourd'hui depuis zéro garçon tourner la ligne, ça nous a tourné étoile. Oui. Voilà! Avec notre jeune, qu'à garder, c'est pas important. Parce que c'est ça qu'on entend. Il faut avoir quelqu'un dans nos vies. Celle ça qui chapeille là, lis l'autre verset, où est ça? Donne ça bien. Alors, verset 18, les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtiront. Aïe, aïe, aïe. Ça y est, qu'avait là? Ou qu'à châtillon, parce que ou baye jeune fille là, ou salite vierge, ou pour virginité, après ou qu'à mépriser, ou qu'à sali, ou mérite coup. Tu vois, si tu étais comme ça, tout jeune homme, gamin, quoi, bien. Tu vois, si l'homme, tu appliqué ça, bon Dieu, tu as dit, jeune homme, pas qu'à n'y passer là, ni jeune homme, ça y est, pop, de laisser passer, gâter jeune fille. Pour dire, ah, moi, je connais ça. Je connais ça. Puis il dit, je vais des vieilles états. Puis il compte tout ça, il a gâté. Tu t'imagines? Et ce n'est pas mon nez, Satan a fait des belles bougues. Adam dit, depuis nous avons un bel gars, bien de bout. Ne pas gâté en moi. Et tu peux plus haut que moi parce que moi, trois gouttes. Tu t'es trop petit, puis tu n'es pas une manière assez. Tu es avec ton tiseau et mes trois mais moi, trois gouttes. Mais tu es tout défogué. Amen. Mais non, c'est foqué. C'est foqué. Wow, quel beau gosse! Vous comprenez ça bien? Voilà. Donc, c'est fort qu'il y a un bon bougon différemment en bas. Il a gardé. Un bon petit gosse comme Jovan. Amen, alléluia. Et Jo? Voilà. Wow, Jo, wow! Voilà. Et voilà. Voilà, il est important. Les filles, pas savent comment pour eux mettre quoi. Longtemps, c'était un jeune garçon qui allait après une jeune fille. Mais maintenant, les filles ont dérivé. Les rôles sont renversés. Les garçons, c'est eux qui ont croué les filles. Amen. Et ils pas qu'à respecter quand ils pas ça l'important. Amis, que Dieu vous a donné quelque chose pour vous protéger. Eh oui. Et le moment en fille entrée dans relation sexuelle, c'est comme si tu es maillé avec la personne. Il a le même effet, mais pour vous, ça pas de texte biblique. Ça veut dire que ou lié corps à un homme sans te maillé. C'est ça qui est dangereux. Imaginez ça. La relation sexuelle qui a lié à un monde. Ou qu'a fait quoi, yon corps, yon corps, yon corps, yon l'esprit, avec lui. Et c'est dangereux. Donc, ou fait quoi avec lui, ou t'es content, il t'est vierge, mais maintenant, qu'a acquisé, ou mérite coup, c'est ça il dit. Et pas non mérite coup seulement, ou doit payer papa fille pour insulter Richely. Continuez-le, pouvoir. Alors,
verset 18. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 sicles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Yes. Est-ce que ça bien? Ou est-ce qu'il te Ishmael, ou est-ce qu'il vierge, après un temps, on a dit, pas vierge, ou pas salé, ou pas tout. Et jeune homme, c'est ça, il y en a fait. Yo abarasse vous, yo ka fon honte d'après, yo ka salou tout partout. Et je connais cette fille là. Ah, cette fille là, elle est chrétienne, elle est chrétienne. Comment elle est chrétienne? Mais moi je connais cette fille là. Quoi imaginer ça? On m'a fait issue. Aïe, ça. Yo pas même rappeler par nous, yo ka dit ça. Comment quelqu'un peut regarder toi, tu es une jeune chrétienne qui vient à l'église, un homme te regarde, t'appelle par ça? Tu n'es pas ça, tu es une princesse de l'Éternel. Et princesse ou pas, elle n'a pas griffé tout partout. Princesse ou pas, elle n'a pas couché avec un homme tout partout. Lorsque je n'ai pas princesse sortir avec un homme, ça a fait le journal dans le monde entier. Parce que princesse là, nous certain. Yes. On certain respect. Depuis quoi habillement tout bagaille. Mais non, on est dans les modes, on est dans les modes. Chrétien veut toutes les modes guinées. Amen, alléluia. Et si vous pas dans les modes, vous avez son mamie. Mais ce que tu mets, est-ce que c'est pour attirer des hommes? Eh bien, pour glorifier Dieu. Lorsque nous habillons chez nous habillons sexy pour nous yo sexy. Parce que si nous commençons à yo sexy, toute fleur qui attire les oiseaux et qui attire les abeilles. Amen. Et bien souvent, c'est maman, c'est papa, c'est maman, c'est nous qui attire les hommes vers chez nous. Parce que difficile, nous ne pas régler, nous ne pas voulons discipliner, nous voulons la Dieu pour habiller n'importe manière, pour faire n'importe bagaille. Et que pas ça, un petit garçon qui a joué, sit, parce que tu es belle, tu es jolie, ah, tu es magnifique, ah, ou bien faite, ah, parce qu'il y a quand même tout ça qui a play. Et avec après, nous avons dit, passe, priez pour nous n'y a pas de problème, passe, priez pour nous, passe. Pauvre passe. Mais là, parce qu'après, j'ai personne pas l'écouter, il a fâché. Ça, parce que moi, quand il y a bien, je suis comme ami. Il comprend que je suis en Zélindra. Toutes vieilles paroles, ou attend. Parce que, ou qu'a dit, moun, comment, pour tchèber ici, pour garder ici, pour respecter, pour l'aïe grandir demain, pour une son femme respect, pour une respect by koi, avec respect by Marie, l'aïe kaini. Parce que tout le monde pas obligé d'où belle. Parce que seule raison pour belle, c'est pour y connaître tout. Mais belle, c'est pour mari ou. C'est pour madame ou. 5000 femmes, 5000 hommes, c'est ça ou belle. Depuis madame ou qu'elle plaît, c'est ça ou voulez. On y est. C'est ça l'importance de notre jeune. Mais on a quitté quand on allait. Ou pour payer, pour s'en faire, parce qu'on gâche la vie, fille, et qu'on sali, paye! Mm-hmm. Et quitte ça, et c'est pas ça seulement, continue. Alors, elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Exactement. Ah! Il a resté madame pour l'appétit ça, parce que ça a été bien coulé. Tant qu'il a vivre, ou pas qu'il a répété un homme. Ça t'est ouais, dis-moi c'est. Ça veut dire que non, le pas tenu un choix là-dedans, il pas voulu encore. Vive et pire. Et pas non seulement, où y'en est pour ouais que il pas qu'à faire méchanceté, mais bien pour lui en tant qu'un homme. Ça va être bon. Ça va être assez bon. Ça va être assez bon. Autant qu'à autant qu'à montrer l'amour, apprendre aimer, apprendre respecter, apprendre pour souhaiter conforme. Qu'un homme qui a fait en femme et qu'on passe à la Dieu. Pas de bon. Je dis, je m'en ai gâché Yeshua, il a pris, il a servi, il a essayé, il a la Dieu, il a fini tout le bail. Amen.
Nous avons des victimes là, nous avons dit, c'est lui qui subit un poche ou de les malheureux là, c'était fidèle. Il n'a pas connaître l'homme. Il était fidèle. Avec l'église à Kadou, il pouvait être comme ça pour toute la vie, mort comme ça. C'est toi, tu fais un choix. Regardez manière ça te rête. Alléluia. Mais moi dis bon Dieu merci pour Jésus. Amen. Moi dis bon Dieu merci pour Jésus. Merci. Est-ce qu'elle nous finit? Regardez le texte là. On nous vit un texte là. Regardez ça. Mais si le fait est vrai. Si le fait est vrai. Est vrai. Si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge. On fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Un son! Hein? Se prostituant. Oui, ça bien, c'est ça, Jablaba a dit, hein? Coucher avec un monde sans mailler, c'est prostitution. Jablaba a dit sa pièce. Vous avez vu ça? J'ai prié Dieu afin que notre jeune fille yo garde quoi yo saint, pas prostitué avec personne. Quelqu'un venu dit no sexe. Ouvre le sexe, maïe-moi. Et ne le cache pas les gens. Maman, il y a tel jeune homme qui m'a dit qu'il m'aime et il veut sexe. Dis à maman, dis à papa. Mais tu es belle. Ah oui, Oh, tu es mes petites têtes là-bas, fais-y mal pièce. Tu es content, tu es amoué. Eh oui. Et garçon, on a tout davantage. Depuis maman, elle dit papa, vini, c'est premier ça, longtemps. Nous venons connu. Mais c'est toi qui vas payer après. Hello l'église. Hello l'église. Hello l'église. Ça a été du bouffé là. On fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra. Mourra. Pourquoi? Ou prostituée quand? On seul qui ça qui patenni? Les saints. Alléluia. Ou maillé, mais patenni saint pour te sceller alliance là. Donc, la vie ou, ni pour passer pour ça, ou pas jouer avec alliance au monde. Ça te raide, hein? Hello l'église. Ça te raide, hein? Vous imaginez qu'un jour, tu as trouvé un jeune homme pour marier, et puis, l'épini, Bouglaga dit papa, ou pas t'es vierge, et puis, il a dit bon, voilà, ben, l'église nous pas ni l'autre choix, voyez là, dehors, et puis, bye wash. Et en temps, que c'est Maria qui a été Maria qui n'est pour voyer premier wash là. T'as été wedé. Hello l'église. Mais les jeunes filles, t'es qu'à marcher, douette. Alléluia. Y'a pas de cas de respecter quoi yo. Donc papa et puis maman, pas de cas rentre après. Y'a savent, y'a levé en femme. Amen. Amen. Continuez. Alors, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Bible, qui est ça, qui ça? Le mal. Un mal. Voilà. Coucher avec des mounes sans marier, c'est un mal. Coucher avec un moun, et qu'on marie et puis, avant, et qui te qu'a trouvé que, pas tenir virginité, c'est un mal fait. Regardez ça mal. Merci mon Dieu pour Jésus. Oui. C'est pas de Jésus, c'est pas nous Dieu non qui te gagne maille non. Quoi imaginer? Mais bon Dieu, avec la grâce, il ka pardonné en monde. Mais il pas ka ba ou doua pour vivre fait. Parce que même en bas la grâce, l'eau allait coucher comme monde ou prostituer comme quand même. Et qu'il y a une punition. Et que c'est oui, la relation sexuelle sans mariage, bon Dieu, pas vrai, dit tout. Hello l'église. Continuez, continuez à nous aller.
22. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. Vous entendez bien? Tous deux. Mais c'est ça. C'est pour ça que Jésus-Christ n'a pas fait femme là, yote hena adilte à un. Jésus, nous jeune femme ta en flagrant délit. Il y a bon? Mais oui, nous jeune en flagrant délit, etc. Jésus garde yo et qui dit yo. Si la nion des autres qui pas ni péché, vous n'avez pas mes peurs là. Pourquoi? Yo comprends Jésus te couillon, mais Jésus savent ça. Zote pour mener les devini. Continuez-le. Tout de l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Pourquoi il va te mener les deux? Et que dit tu vois femme tout seul. La femme a couché qui s'est quoi? Hello l'église. Non. Donc Jésus est obligé des autres. Si vous n'avez pas ni péché, vous n'avez pas mes peurs là. Et peut-être c'est yo qui t'es couché avec femme là, yo chapé quoi yo. Parce que vous avez une femme seulement, vous avez une flagrant délit. Où est l'autre? Hello l'église. Vous voyez, comment les hommes ont été mariés, ils font une alliance. Qui m'a dit ça? Ça veut dire, si vous ou cassé ou vaut la mort. C'est ça que je veux mettre en tête. Est-ce que vous comprenez ça bien? Ou cassé ou vaut la mort. Nous comme qui dégage vivant. Hello l'église. Nous comme qui dégage vivant. De là nous maillé, nous chaud la paix, bon Dieu, ben nous madame mais nous zier nous avec tout nom. Toute l'autre femme. Amen alléluia. La juste ni nom qui est tiré par l'homme. You ka un beau, you ka dit ouais un beau gars. Péché, péché. Imaginez, les femmes aussi, mais laissez pas couillonner par des gens. Toutes ces mounta là, yo teni pour moi. Et là, on continue, il y a encore en lice. Pourquoi? De pour pas respecter en alliance ou prix. Est-ce que nous comprenons ça bien? Est-ce que nous comprenons ça bien? Amen. Gardez. Gardez les dangers de nid, les dangers de coucher avec quelqu'un avant le mariage. 1 Corinthiens 6, ça semble une nouvelle alliance. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 8. 8 à 20, à nous aller. Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Qui ça y est là? Les injustes, pas qu'à hériter le royaume de Dieu. Donc il y a qu'à vertu. Est-ce que nous d'accord? Est-ce que c'est bien à la grâce? Est-ce que c'est bien ça? L'homme injuste, ça veut dire qu'il n'y a pas de royaume. On nous allez, continuez. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, est-ce que nous voyons ça bien? Ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavé. Mais vous avez été sanctifié. Mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout bon. Est-ce que nous croyons bien que même si on monte fait ça, bon Dieu a dit, il partait mériter le royaume là. Mais Jésus en bas la grâce qui permet, il justifie vous et il sanctifie vous et il lave vous. Hello l'église. Amen. Est-ce que c'est bien ça? Amen. Donc, même si tu es commet à cla, mais aujourd'hui, en bas la grâce, bon Dieu, car il pardonne mon nom. Hello. Amen. Hello l'église. Amen. Bien, c'est ça, regardez-nous. Et qui a bien fait ça? Grâce à qui moun? Jésus-Christ. Donc, nous allons continuer.
Verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Là, il a commencé vertu après ça. Après où t'es lavé, tout est permis. Oui. Mais il vient d'où? Tout n'est pas utile. Est-ce que nous comprenons ça bien? Parce que changez bien, on t'est lavé. Songez bien, on t'est nettoyé. Songez bien que Dieu te délivre. Continuez. Mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Bon, là, il a commencé par là, dit, quoi vous faites pour qui ça? Quoi vous faites pour? Aliments, manger. Là, pour vous mariez. Avec manger, faites pour descendre. Ah, d'accord. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas marié, tu n'as rien à faire avec ton corps, c'est bas corps manger. Point souhaité, poupounei, feuille belle. C'est ça seulement. Donc c'est pourquoi il dit, quoi fait pour aliment, aliment fait? Pour corps, continuez. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Donc, les deux, c'est bon Dieu qui a détruit. Si vous faites pour manger, bon Dieu détruit quand il a fait. Si vous faites pour détruire. L'aliment, on va manger, il a fini, il a détruit. Il peut détruire. Moi, je vais maintenant côté. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Qui ça dit? Le corps n'est pas pour l'impudicité. Dieu n'a jamais créé le corps pour l'impudicité. Ça veut dire que relation sexuelle avant le mariage. Dieu n'a jamais créé un jeune monde, une jeune fille, pour coucher avec un monde sans marier. Il n'a jamais créé ça. Le corps n'est pas fait pour ça. Vous pouvez imaginer ça? En manière que l'Elmien a détruit ses genoux. Il dit, mais non, tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Mais regarde les dangers. Croyez, continue. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Qui, le corps n'est créé pour quoi? Pour le Seigneur. Certains savent ça. Donc certains savent soit on ne peut pas coucher avec un monde. On n'y plus force pour vivre sincèrement, bon Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Un jeune fille qui n'a pas couché avant le mariage, elle a plus de, comment on dit ça? Sincérité avec son Dieu. C'est plus facile de servir mon Dieu. C'est plus facile à combattre contre les mauvais esprits. Ou pas tant ça? Amen. Une jeune fille qui peut coucher avec moun et qui vierge et qui servit mon Dieu, dans l'is pas venir lui au souhait et qui vient meilleur parce qu'on vierge. Ou pas tant ça? Amen. Eh oui! Mais là, on commence les chèques. C'est normal quand je suis pas caché bon, ouais, pourquoi ils plantent dans les liens, pas sentir un monde qui a bien pour, et qu'on passe à faire. C'est normal parce qu'on couche. Protection, on tire. Donc, diable, ni toi, coucher avec eux. Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça que nous avons averti les jeunes mondes. Ne laissez pas entraîner par le monde et tout ce que le monde a offrir. Dieu nous aime et il voulait que nous protéger comme nous. Donc, le Seigneur c'était pour le corps. Servir bon Dieu en l'esprit et que la vérité. Et Corinthiens 7 fait nous appliquer clair. Un jeune monde qui peut combattre, qui a gardé qui manière pour y plaire bon Dieu encore n'amener avec l'esprit. Reste sain. L'homme n'a pas qu'à mettre ça tout le temps, pas marié, mais tirez-moi quand il m'a maman. Oui. Ça, c'est condition, bon Dieu. Continue. Et regarde. Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Exactement. Donc, l'homme où est-ce fidèle, même si vous mort, sans ça bien, bon Dieu, quand on garantit, il a vie ressuscité encore. Parce que pour Dieu, on pas souillé corps. Alléluia, ma bon Dieu gloire. Amen. Ma bon Dieu gloire. Et Satan, il savent ça. Donc ça, Satan qui a fait ça. Mais non, comment depuis jouer ou là, ou pas à mort, ou quand il t'a mort, ou pas connaître un homme, mais il faut connaître un homme avant ou mort. Parce que Satan savent, même si ou mort, ou pas marié, bon Dieu qui a vie ressuscité ça, parce qu'il n'a pas touché ça, il n'a pas sali.
Continuez, on va aller. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Qu'est-ce que nos corps sont? Des membres de des Christ. Des membres de oui. Christ. Uh-huh. Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Qui ça qui là? Est-ce que vous savez bien? Le diable n'a pas dit nous pièces, je vois nous te coucher comme dans ces prostitutions nous fait. Jamais il n'a pas dit ça. Et pour l'instant, c'est écrit. Est-ce que nous comprenons ça? Une seule relation sexuelle, c'est la prostitution devant Dieu. Qui est dans l'Ancien Testament? Qui est dans le Nouveau Testament? Qui est dans l'Ancien Alliance? Qui est dans la Nouveau Alliance? Il n'y a même importance là. Qu'est-ce qu'on fait? On couche avec tout le monde. Depuis qu'on dit nous mignons, voilà, nous belles, etc. Nous accouchons et puis yo. C'est la prostitution. Oui? Et alliance alors? Nous ne pas respecter, on joue. Nous avons brisé, bon Dieu, scellé alliance là. Nous avons fait qu'on homme. Et avec ou briser virginité, t'as là, pour sang couler, pour bien sceller alliance là. Ça c'est temps pour un. Ou respecter conditions, bon Dieu, pour l'humanité. Relation sexuelle, l'homme aïe. Hello, l'église! Il est vrai, les petits garçons plus chauds. Yo, chaud, tu m'as passé tes cabites. Moi, quand changé papa, nous, t'es qu'à dire nous. Zot, pourquoi ça même pissé, zot, brisé femme? Vous pouvez imaginer ça? Papa, nous, t'es qu'à dire nous ça. Un jour, nous, une jeune fille, Catalina. Zot za brisé madame. Pas kaimo ya zot ka respecte kaimo auto piti. Nous ka dit mais qui ça papa? Mais nous c'est un homme. Pourquoi? Il dit même condition pour fille, même condition pour garçon. On dit maman, fout mi sewed. Est-ce que papa m'a dit même condition pour fille, même condition pour garçon ou pas marié, pas kaimo ya. Maman! Et ça fait moi du bien. Ça fait nous du bien. Et moi, regardez toutes ces fois, moi, marié. Et yo fier. Et madame, yo fier. L'important, amis, respectez qu'on nous. Pas prostituer qu'on nous avant les mariages. Les dangers. Continuez, allez. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Tenez ça bien. Mise sa diable à faire nous. Verset 16. Satan savent que ou coucher avec un monde. Tenez ça bien. Ou café corps. Est-ce que ça bien? Donc imaginez-vous combien de monde nous a couché avant mariage. Vous imaginez ça? Combien de monde nous a couché avant mariage? Vous imaginez ça? Ou fait quoi? Yonek Tom, Yonek Dick, Yonek Harry, Yonek John, Yonek Gopier, Yonek Jacques. Vous pouvez imaginer où il y a tout partout. Et chaque fois qu'on fait quoi? Yon, ça veut dire qu'on a partagé en mille morceaux. Comment vous voulez? Bon Dieu, gardez-vous et baou un homme qui sérieux lorsque vous a partagé en mille morceaux. Avec lorsque nous sommes, pour Dieu, pas qu'à bénir ces jeunes finnois, nous qu'à dire pour parce que pour Dieu, il y a partagé en mille morceaux avant mariage, il y a lié koyo. Et pour Dieu, qu'à garder, est-ce qu'il n'y a pas de garçon, mais ça? Un monde qui a lié koy, les têtes aux pieds. Et de ça qui est plus grave, yo fait, yo refusé à confesser, yo refusé à dire passe, moi fait, maman, moi fait, prier maman, changez moi prier, moi voulais sortir. A donné le lait à un homme, oui, de là yo kamaye, yo ka voile pour couvrir, mais yo accouché de mille mounes. Mais yo yon yon voile dans la tête.
yo vierge. Et Paul Pouk, il a entré dans un mariage, quand il y a une jeune fille, quand il y a une fille qui est sérieuse, ça qui n'est plus ni fouche, qui a dit qu'il a fait. Oui, mon Dieu, il a parlé. Il a fait. Il a confessé. Il n'y a pas bon Dieu qui a fait grâce. Mais il y a de ça qui j'allie si tellement. Parce que chaque fois qu'on couche, on a fait quoi? Il y a celle-là. Hein? Car il est dit, c'est pas ça, voilà. Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Le mariage sexuel, amen, les relations sexuelles, car lié au monde autant fort que le mariage. Il n'y a même pas la like pour un monde qui m'a dit dans Matthieu chapitre 19. Il était écrit, les deux, un homme qui a quitté ma mère, papa qui a attaché à la famille, les deux devenus une seule chair. C'est même parole là, même exactement. Les Grecs ont la même signification. Nous ne pouvons pas comprendre que Dieu ne voulait jamais quelqu'un coucher et quelqu'un avant le mariage. Jamais il ne peut accepter. Voilà pourquoi les raisons. Lorsque un monde qui te coïncide ou qui te douette, ou qui te juste ou pas coucher avec un monde. Même si vous êtes maillé, et vous maillé, mais vous faites bêtise, ou même pas faire bêtise. Parce que bon Dieu qui défend le monde qui pas fait bêtise là. Amen. Est-ce que vous avez tellement bien? Parce que en alliance, là où t'es caché, ou t'es mérité la mort. Wow. Nous j'ai fini. Gardez ça. Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Est-ce que ça bien? L'homme attaché au Seigneur, ou qu'a fait quoi? Un seul esprit. Yon seul. C'est pourquoi il est toujours facile de quelqu'un qui n'a pas connu la relation sexuelle, servir bon Dieu. Yon qu'a servi bon Dieu plus douette. Parce que yon qu'a fait quoi? Yon seul esprit avec bon Dieu. Et c'est ça Satan savent. Donc Satan veut nous gâcher comme nous. Il veut nous lier comme nous. Je ne dis pas que vous ne parlez pas de moi. Je ne dis pas que vous ne parlez pas de moi. Je suis amoureux, un amoureux qui va finir la pièce. Pourquoi? Parce que Satan veut nous lier comme avant le mariage. Il veut lier comme avec le monde. Parce qu'ils savent que vous pouvez prostituer comme et de vous prostituer comme il doit alors. Voyez? Ou pas ça fait yon avec bon Dieu encore parce que ou a fait yon avec l'autre monde. Imaginez-vous, c'est ça Satan voulait ban nous. Bien aimé, il faut nous encourager ich nous de garder quoi aussi. Les dangers de coucher, c'est ça nous qu'a garder là. Avec quelqu'un avant le mariage, c'est un gros danger. Continuez. Fuyez l'impudicité. Qui ça bon Dieu dit? Fuyez l'impudicité. Est-ce que ça bien? Fuis l'impudicité. Il va nous être dedans. Fuis l'impudicité. Il va nous résister. Fuis. Nous sommes là, nous avons compris bien mon Dieu qui a parlé. Le diable, il va nous fuir parce que quel que soit côté, le diable qui vient d'eux. Il doit résister au diable. Concernant les œuvres de la chair, l'envie qui a monté en dedans, mon Dieu doit un petit bagage. Crucifier la chair. Concerné moun ki ka vinn dehors l'impudicité pour coucher pou, bon Dieu pas doué té là idou. Oui, chaque lè nous fait un bagay contre nous ka pri. Parce que depuis mon a commencé garder. Que garder, il ka passé en l'autre comme si dit oui, il ka rodé au lion comme si dit oui. Regardez, hein? Tout d'un haga grien dehors. Regardez ça. Assez de monde fait le 666 ou papier bois. Amen, alléluia. Dieu respecte. Respecte corps. Tu me touches pas. Ou pas qu'à parler bas, moi, monsieur. Amen. Depuis que vous parlez bas, c'est beaucoup y en a. Qui se comprend que vous avez
Donc Bible a fui. Oh alléluia, en allez. Quel autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Est-ce que ça bien? Tout péché qu'on fait hors du corps. Vous imaginez, regardez comment ça fait, relation sexuelle. Ça veut dire que tout ça, ou voler, ou faire toute bagaille, ou tuer un monde, même tuer un monde, Bible a dit, c'est hors du corps. Corps pas engagé. Le seul péché qui engage le corps humain, c'est les relations sexuelles, ça seulement. Mm. Donc, l'eau ou péché, ça quand engage le corps, espoir et l'amour. Est-ce que ça bien? Ou est-ce que le diable est mauvais? Donc, c'est pour ça, people de l'esprit, c'est pas relation sexuelle. Yo ka passé. Parce que yo savent, en tant que ou bakou, ou ka lié volontairement, corps engagé, et yo sa détour. Continue. Oui. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ou ka pêche contre popcorn. De consatan sa ou ka pêche contre popcorn, ils savent qu'il n'y doit de toucher. Ça veut dire que le seul péché qui ka bat diable la doit en l'homme. Le popcorn. Donc pourquoi le diable toujours veut coucher avec le monde? Puis au maou, puis au tchembo. Une jeune fille qui partait jamais voulu de la prostitution. Yo fait mal à bougla tante yo tante yo tante yo tante yo tante yo lité yo lité yo il couche depuis là yo couché yo dit je crois yo changé la même mais bougla hen ça était vlia ou a lié corps et puis les deux devenus une seule chair. Donc si toi va yo maléfiquement il s'affaille même au jeune garçon quand un jeune fille des jeune garçon il comprend que bon mon gars ni bali ça mon gars quitter c'est ça ou quoi le moment couché avec jeune fille ni la mère, ça il veut faire il a fait, ça il veut faire il a fait, s'il veut amour, s'il veut chebou il a fait ça il veut, même sous en Christ. Moi dis même sous en Christ. Amen. Moi dis même sous en Christ. Amen. Moi dis même sous en Christ. Amen. Donc pas dit je suis chrétien et puis même rien faire, aïe coucher puis pas ça. Il a chebou esclave là, et vous quand ouais son jeune fille. Bougla pas à votre dit, hé garçon, moi, c'est le Seigneur de Saïkadou, moi, quand rank, et fille l'église n'a rank ce jour-là. Pendant que vous avez dit rank, ça veut dire que c'est fille l'église, il a sorti, et puis quoi. Moi, garçon, moi, pas de bougla, sorti avec fille l'église. Belle fille, garçon, c'est une fille pop qui l'a. Et bougla pas honte, qui ça? Yon kou y couche, et puis, mais il partait sans son mal fait. Et la, la relation sexuelle, automatiquement, qu'a lieu avec lui. Donc, un yin fait pour tchèbo, il a réussi, même sous son chrétien. Oh. Oh. Pourquoi nous ni toute sa jeune chrétienne à dérive? Yo pas ni contrôle à l'école. Yo tombé en bon mauvais la main. Yo pas vle faire, yo obligé faire. Mais aujourd'hui, prenez votre victoire. Demande à Dieu pardon. Doubout et permettre bon Dieu qu'on puisse servir. Faire alliance avec le Seigneur. Dis au Dieu, je refuse à, c'est ça, à coucher avec quelqu'un avant le mariage. Alléluia. Alléluia. Amen. Prends ta victoire. Et dis la chair, même si vous moutez, ma café. Parce que ma vle lié comme un homme avant mariage. Amis, Dieu a un bon plan pour nous. Les jeunes filles, les jeunes garçons, Dieu a un bon plan pour nous. Et le projet que Dieu a pour nous, il nous a dit c'est un projet de paix. Nos malheurs. Et c'est pourquoi beaucoup de gens tombent dans les malheurs. Pourquoi? On nous a dérespecté comme nous. Et nous a fait bon Dieu honte. Nous avons péché contre le corps. Il nous a fini. Parce que moi, fini. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Qui s'attend pour y est? Ton corps. Qui s'accord y est? Le temple. Le temple du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Dieu habite en nous. Dieu vit en nous. Dieu, il est là dans nous. Le temple du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Donc c'est pourquoi le manque de monde qui a dit, oui, Dieu, il est en haut, il est dans les cieux. Je dis, ben, je sais qui ça y est. Mais c'est pas Dieu promet qu'il habite en nous. C'est temple du Saint-Esprit. Donc là, on va chercher pour bon Dieu en haut là. Cherchez bon Dieu dans ton cœur. Dans ton âme. Cherchez bon Dieu dans le temple. Il est là. Il veut habiter là, dit dans nous.
Amen, alléluia. C'est son temps. On nous allait. Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ou pas qu'à? Oui, Satan savent ça. Donc Satan, il sait. Bon, déjà, je t'aurais qu'on comprend. Ou pas ta ou. Et il n'a pas ni droit pour tout show. Tout en ou même pas fait bail là. Amen. Regardez. Satan, il passe, il word. Il fait tout suite, il fait. Il fait vers suite, il fait vers six, il fait vers tout ça. Il mais il ne peut pas te toucher. Un monde veut faire un bitin. Il peut voyer via l'esprit hein, pour chameau. Tout le temps, pas coucher avec lui, il n'y a rien de faux. Dis maman ça, il y a un jeune homme. Et c'est ça qu'il a fait. Il a aimé faire ces jeunes filles. Là, il a marqué ces jeunes filles. Pas qu'à faire rien. C'est pour ça que ce n'est pas tout petit nègre qui était meilleur. Yo l'école là, yo hani plus vis. De là yo aimé tout show. Ou pas teni, ça yon kakouye envie. Le désir. Le moment que y tout show, ou ka commencer à sentir ton corps change. Pourquoi? Il envoie des esprits pour t'exciter. Pas ça? Et les pasteurs peuvent aller en l'église. Vicié ou vicié. Oui, il peut parler ça. L'église n'est pas faite pour faire ça. Vous voyez? Même des grands mouns, il y a des mouns, c'est avec des mouchoirs. Vous savez, vous dites, eh, chérie, oui, ça va le temps, comment on casse, ouais, tiens là, moi, fidji, moi. Un moment, il suit un fidji, plap. Il y a des boupons, là, des parfums, plap, ou puis. Et bon, exactement. Pour les jeunes filles qui aiment prendre bail à la main, garçon, on dit bonbon. Quand maman vous dit, il ne faut pas prendre des choses à la main des gens, vous ne comprenez pas. Par les sentiments, bonbon, il a mis ton vieux l'esprit en disant, gloire, c'est rien qui bougle encore. Il dit, mais c'est monsieur Berlin, on vient de Guy Sali. Bougla de l'aide, l'aide passée, l'aide faite. Bougla pas de bon l'ordre, pas de bon hygiène, mais ouais, il est tellement mignon. Mais comment c'est vous qui ne comprenez pas qu'il est méchant? On est Sali. Vous imaginez ça? C'est vous qui connaissez. Ou qui juste permettez maman un défi. Mais parlez avec lui, tu vas voir s'il n'est pas gentil. Est-ce qu'il a pas tout? Chrétien, hein? Moi qui parle de chrétien. Soi-disant qui est dans l'évangile. Et moun qui prend ses bêtes à la légère. Pour nous, il y a des gens qui comprennent ces rigolades qui fait là. Hein? Ça n'est pas rigolade, frère. Ça, c'est bagaille qui a fait. Amen, amen, ça c'est bagay qui a arrivé Yishnou qui est en l'évangile. Amen. Ça c'est bagay qui a fait en notre temps nous aujourd'hui. Et nous demandons pourquoi je ne suis pas tombé. Pourquoi ça arrive? Parce qu'il ouvre la porte de Dieu. Amen. Ça n'a pas rigolo. Et demain, il a maillé. Et tous ces problèmes-là, il a même écouté. Il a mené un mariage. Et comment vous voulez du bout? Comment vous voulez tchamber? Ou content y marié, mais au passage, il y a un truc en mariage li et qu'on pas quel problème. Ou passage, il y a un truc en mariage li, mais c'est pas yon moun qui l'a, mais un dit deux femmes là, il y a lié de 4-5 noms. Comment vous voulez tchamber? Et si c'est pas bon Dieu, il prend être tout chez, être tout namli, être faire bon Dieu confiance, avec dit bon Dieu moi fais, mais n'a mando pardon, même refuser accoucher qu'on homme encore, juste attendre marié, être pour bon Dieu, comme parole a dit tout à l'heure, il sanctifie, il nettoie, il régénère, ça veut dire que bon Dieu qui a tiré ses vieux l'esprit dans encore, et bon Dieu qui a baillé l'esprit net, il qui a fait comme femme neuf, c'est pourquoi il dit si quelqu'un est un Christ, il en nouvelle créature. Les choses anciennes passées et toutes choses telles et nouvelles. Ça c'est la femme et l'homme que Dieu veut faire de vous. Alléluia. 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 Dieu veut faire de vous quelqu'un de nouveau. Un femme neuf qui a respecté Koi, qui a respecté maman et papa avec l'église lui. Bon Dieu, premier côté, il est sorti. Amen, alléluia. Oui.
ça qui plie honte. C'est de l'eau kagado kawe. Yeshu prie un bon vieux nègre qui est traîné mal. Avec de l'air, ça qui plie mauvais. Selon où est vieux nègre là, il m'a tué comme si il était aimé. Et vous regardez, il a fait une paix de relation avec vous. Il n'a pas de relation avec maman. Il n'a pas de relation avec papa. Ça qui fait mal à toi. Pour qu'on ait fille ou parti mal. Et qu'on vient avec nous. Dieu, pas qu'aille jamais promettre que vous levez kay maman ou, et que vous séparez de maman ou, séparez de papa ou pas ni en relation avec vous. Amen. Si vous voulez savoir qui relation, un beau fils qui a ni avec belle-mère, mandez ce Madeleine, ma belle-mère, mandez papi, beau-père, mandez. Si vous voulez savoir qui relation, un jeune homme qui a ni avec famille, belle famille, mais c'est un exemple. Et personne ne va s'allonger dans la main. Il a dit ça avec fierté. Descend la brique, mandez love, mandez fano, mandez righteous. Mande Titus, mande yo. Dieu qui sa ou hawa di. Mande papi, mande maman. Yeah. Nous avons pris Yeshua, qui a gâté, qui a séparé de famille, séparé de environnement, parce que diable la sauve, l'air ni en bas griffou ou prie. De là où qu'a souffert, ou pas sa couille maman, parce qu'on honte, mané ou te parti ya, ou parti mal. Ou ka remise là. Oui. Ou ka remise, ou ka brefe. Ou pas j'aime tant ça. Ou ka remise, ou ka manje mise, et ou ka brefe. Oui. Ça veut dire que problème, ou ni kon ça. Mais parce qu'on pati mal, ou pas sa vie, dit maman, aide-moi. Papa, aide-moi. Pourquoi? On sel ti pot ou te kite ouvert. Ou coucher avec un monde avant mariage. Ne fais jamais ça. Respectez vos corps. Corps pas capable de où? Alléluia. Votre corps ne vous appartient. N'appartient. Adieu. Alléluia. Nous l'avons fini. Fini pour nous fermer. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Ouh! Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorifiez Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous finis là. Alléluia. Alléluia. Racine de tous les divorces, de tous les problèmes, de toutes choses que nous rencontrons aujourd'hui, qui dépendent de l'est-ce que nous pas respecter premier parole, mon Dieu. C'est pour ça qu'a fait tout ça. Toutes ces ravages. Toutes ces ravages. Toutes ces ravages. Diable a entré et il a détruit. Alléluia. Nous allons continuer dimanche prochain. Bon Dieu bénis-nous.